Good morning, allez, Iden, messieurs, aujourd'hui, les loups, Nishmat, François, Vachibin, Tanar, Ruth, Janine, Ruth, Batfortune, Mazel Fritna, Claude, Shlomo, Ben Shalom et Ishaya, Ben Linda. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous, c'est Jumas Echet Brachot, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Filat Ashachar, Ad Chatzot, Rabbi Yehuda Omer, Ad Arba Shaot. Filat Amincha, Ad Aerev, Rabbi Yehuda Omer, Ad Pelag Amincha. Filat Aerev, En Akeva, Veshel Musafin Kolayom, Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheva Shaot. On débute dans notre chapitre les halakhot de la tfila elle-même. Jusqu'à maintenant, on était plutôt concentré sur le Kriyat Shema. Bien sûr, comme c'est l'habitude dans le Mishnah, on ouvre un sujet, on déborde un petit peu sur d'autres sujets qui ressemblent. Mais le fil directeur était malgré tout la Kriyat Shema. Ça s'est fini avec les endeuillés, le Kriyat Shema, le Balkeri avec le Shema. Maintenant, on s'intéresse aux halakhot de la tfila proprement dit, la mitzvah de prier. Une introduction très importante. C'est que tfilot keneged tmidin nitkenu. Les tfilot que l'on fait trois fois par jour, on les fait en parallèle avec les korban tamid qu'on faisait au Beth Amikdash. Je précise. Une journée au Beth Amikdash, ça se passe comment? Depuis le matin, depuis le moment où le jour s'est levé, on va apporter le korban tamid. Tamid shel shachar. Comme ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on lit avant la tfila du matin, le olat tamid, la korban du olat tamid, ça veut dire ça, l'antel, mais korban, il a chmi le isha, il reach, ne chrit, ishmeru, la krivle, bemrado. Et donc, on ouvre, le premier korban qu'on apporte, c'est le korban tamid, le korban perpétuel, comme son nom l'indique, on le fait tous les jours, chol, shabbat, peu importe les circonstances, toujours rien, on ouvre la journée avec un korban tamid. Et ce korban tamid va ouvrir ensuite la journée pour les autres korbanot. C'est-à-dire que si on a une journée où c'est un jour de Yom Tov, on va devoir apporter d'autres korbanot, d'autres moussafines. Si on a un jour de Chol, il y a tout le Ham Israël qui doit porter ses korbanot. Celui qui a fait une Avera, il doit porter un Khatat, un Sham, celui qui va porter une Ola, un Shlamim, une Toda, un Bechor, un Maaser. Et donc, le premier korban qu'on ouvre, c'est korban tamid, après on peut ouvrir tous les korbanot. On ferme la journée avec le tamid shel ben arbaim. Depuis le moment où on a apporté le korban tamid, de l'après-midi, on ne peut plus apporter d'autres korbanot. Comme ce qu'on dit, on apprend là-bas, depuis le moment où on a porté le korban tamid, on ne pourra plus faire d'autres korbanot. C'est-à-dire, depuis celle du matin, tu peux porter tout le korbanot et pas depuis celle d'après-midi. C'est déduit comme ça de psukim. Concrètement, on a la possibilité de porter le korban tamid jusqu'à la fin de la journée, les derniers instants. En théorie, il faut juste vérifier qu'on ait le temps de faire la shrita, d'asperger le sang comme il faut. Et on s'est acquitté de la misère du korban tamid. Seulement, on ne s'amusait pas à jouer avec le feu et attendre les derniers instants. On peut se faire avoir. Donc du coup, on avait l'usage que depuis la moitié de l'après-midi, on s'arrêtait de faire le korban tamid. Maintenant, je passe à autre chose. Après, je vais faire le parallèle avec les tfilot. Vous allez tout comprendre pourquoi je vous parle de ça. Et une fois qu'on avait fini de porter le korban tamid chez le ben arbaim, on n'apportait plus de korbanot au Beth Amikdash. Maintenant, toute la journée, quand on apportait des korbanot, il fallait bien comprendre aussi quelque chose. C'est que chaque, quand on apporte un korban, c'est pas qu'on le fait brûler sur le misbar depuis tout de suite. La misa d'apporter le korban, c'est Shrita Kabbalah Ola Chazrika. Si vous vous rappelez, quand on utilise Zvachim, on égorge le korban, on fait la Shrita du korban, on récupère le sang, on l'amène sur le misbar et on l'asperge. Quand on a fait ça, on s'acquitte de la misa sur le korban. Tout korban doit être apporté durant la journée. La misa d'offrir un korban dans la journée, ça veut dire de finir d'asperger le sang sur le misbar dans la journée. Mais pour concrètement en sortir les graisses et les parts à faire monter sur le misbar, on a ensuite toute la nuit pour le faire. Ok? On a toute la nuit pour le faire. Donc il s'avère qu'en fait on a trois bornes importantes. Le korban tamid shel shachar, le korban tamid du matin, l'holocauste perpétuel, c'est la traduction exacte. Korban tamid shel ben arbaim, l'holocauste de l'après-midi, le korban ola de l'après-midi, que l'usage était de le faire depuis la moitié de l'après-midi. Et ensuite, on avait toute la nuit pour faire monter les évarines sur le misbéar, de brûler les graisses et les graisses qu'il fallait pour tous les korbanot et les membres des holotes aussi les faire monter sur le misbéar, toute la nuit. Donc on a ces trois bornes, en rapport avec ces trois bornes, on va avoir trois tfilotes. Shacharit, Mincha et Arvit. Shacharit, on le fait en rapport avec le korban tamid. Mincha, le tamid chez Shachar. Mincha, on le fait en rapport avec le tamid, en rapport avec le korban tamid chez le Bena Arbaim. Et Arvit, c'est en rapport avec les parts des korbanot qu'on fait brûler durant toute la nuit. Du coup, les heures auxquelles il va falloir prier sont en rapport avec ces trois korbanot. On a une première machloquette, depuis quand, jusqu'à quand peut-on faire le korban tamid shel shachar?
le korban tamid du matin, il y a une marloquette dans Tamid, entre Tanakama et Chacham et Rabbi Yehuda. Chachamim, il pense qu'on peut le faire jusqu'à Chatzot, et Rabbi Yehuda dit non, jusqu'à la quatrième heure. En parallèle, on a donc maintenant Tfilat HaShachar ad Chatzot, la Tfilat du matin, a posteriori, on va la faire jusqu'à la moitié de la journée, selon Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda me dit non, ad Arba Shaot, jusqu'à la quatrième heure, le tiers de la journée. Quand on dit 4 heures, c'est parce qu'on se prend la journée depuis le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Ça s'appelle 12 heures solaires. Tu prends un douzième de ça, ça s'appelle une heure. La moitié, c'est Chatzot. Le 4 heures, ça veut dire le tiers de la journée. Ok ? C'est clair ? Donc la première marloquette, elle est en rapport avec l'heure du Korban Tamid. La halakha, elle est établie a priori. A priori, d'abord, c'est bien, il faut savoir. C'est Yiraoucha im Hashemesh depuis le moment prionet, ce qu'on appelle. Depuis le moment où le soleil pointe le nez, à ce moment-là, entrer dans l'Amida, Hashem Sfatay Tiftar. Alvaï qu'on puisse le faire. Pendant une époque de ma vie, j'ai essayé de le faire, ça m'a massacré les neurones du cerveau. Je dormais trop tard et je me levais trop tôt, puis à la fin, je pensais que je devenais hyperactif. En fait, non, il faut aussi dormir la nuit. Mais ceux qui ont la possibilité de le faire et de se lever au net, c'est la plus belle des tfilotes possibles. Au moment où Ketzet Hashem HaShemesh, le soleil sort avec toute son ampleur, c'est le moment où on fait la tfila Hashem, on reconnaît sur sa puissance et sa force, et c'est le moment le plus beau pour faire la tfila. Ceux qui ont le mérite, faites-le. Maintenant, ça, c'est a priori. A posteriori, tu as jusqu'à la fin de la quatrième heure. Si vous regardez dans le Loar Zmanim, attention, c'est une heure, le schéma, il faut s'arrêter de le lire une heure avant. Et on a pris une heure supplémentaire, à peu près, pour finir la tfila. L'heure de la tfila, c'est-à-dire finir la tfila. Finir le Shemona Esrei, et essayer le Chazan Tachatz, finir le Chazan Tachatz après la quatrième heure, jusqu'à la quatrième heure. Ok ? Maintenant, a posteriori, si jamais on n'a pas fait la tfila, ça arrive, quelqu'un qui était malade et qui était complètement... il n'a pas dormi de la nuit, eh bien il a la possibilité de faire la tfila aussi jusqu'à Chatzot, a posteriori, jusqu'à la mi-journée. Mais après c'est fini, il ne pourra plus prier Shacharit. Ce qu'il doit faire, c'est de faire une deuxième, comme il fait Mincha, il fera une Tashlumin, ce qu'on appelle, on en parlera après. Donc pour le moment on a expliqué la marloquette pour la tfila du matin, jusqu'à soit Chatzot pour Tanakama, soit Rabbi Yehuda la quatrième heure, alakha a priori comme Rabbi Yehuda, a posteriori comme Chachamim. Tfilat Amincha Ada Erev Rabbi Yehuda Omer Ad Plaga Mincha. On a maintenant une nouvelle marloquette sur la tfilat de Mincha. Alors, comme on a expliqué, le Korban Tamid, on pouvait le faire en théorie jusqu'à la tombée de la nuit. Mais concrètement en pratique, on le fait jusqu'à la mi-journée, la mi-après-midi plus précisément. Vous prenez la moitié de Chatzot, plus précisément une demi-heure après Chatzot, et le coucher du soleil. C'est ça toute l'après-midi où il faut faire après-midi, on peut apporter le Korban Tamid. L'usage, il était au Bet HaMikdash de prendre la moitié de ça. Ça correspond à 9h30, en fait. Si on compte depuis le matin, ça fait 6h, on rajoute une demi-heure, et puis après, ça fait jusqu'à 3h30 de l'après-midi, en fait. Donc en fait, ça fait jusqu'à 9h30, de la 9h30 du matin. C'est a priori, c'était l'usage qu'on avait pour apporter le Korban Tamid. On ne le dépassait pas à ce moment-là. Selon ça, Chachamim me disait, écoute-moi, le Korban Tamid, tu peux le faire tout l'après-midi, tu peux faire Mincha jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'au coucher du soleil plus précisément. Rabbi Yehuda dit, non, l'usage il était de faire attention, de le faire jusqu'à la mi-après-midi, et bien tu le feras aussi jusqu'à Teshavachesi, jusqu'à 9h30 depuis le matin, tu montes, la mi-après-midi, tu t'arrêtes de faire Mincha a priori. Ça c'est selon l'avis de Rabbi Yehuda. Et maintenant, Tfilata Erev, En la Kever. Alors, au sens simple, la Michal vient me dire, tu sais, l'heure de Tfilat Erev, la Tfilat du soir, à 8, eh bien, en la keva, elle n'a pas d'heure fixe. Tu peux la faire durant toute la nuit. Et même mieux que ça, tu la commences depuis quand? Selon Chachamim, depuis le moment où tu ne peux plus faire Mincha, tu commences à faire à 8. Et idem pour Rabbi Yehuda, seulement d'après Rabbi Yehuda, tu t'arrêtes de faire Mincha depuis l'après-midi. Donc tu pourras, depuis la fin de l'après-midi, tu pourras commencer à faire à 8 si tu veux. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Mais Chachamim, ils te disent, non, il faut attendre la tombée de la nuit. Maintenant. La phrase originale, en la keva, elle n'a pas de fixe, elle n'est pas fixe. Elle vient en fait, cette phrase, elle vient de nous dire qu'en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. C'est que, filat arbit, en théorie, on n'est même pas obligé de faire cette fila. C'est bien de le faire, mais ce n'est pas une chova, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Comme on a dit, on fait la campagne, le fila de arbit, parce que c'était le moment maintenant où on faisait brûler toutes les graisses sur le misbéach. A posteriori, s'il n'y a pas de graisse qui ont brûlé sur le misbéach, on s'est quand même acquitté des corbanotes. Donc, a posteriori, si tu n'as pas fait arbitre, tu t'es quand même acquitté.
Ça, c'est comme ça que la Mishnah nous enseigne. Mais comme nous le dit le Bar Tanoura, qui est selon la Gemara, que malgré tout, on a eu l'usage depuis les générations qui ont suivi la Mishnah, d'instaurer que tout le monde fait la tfila de Harvit, donc on l'a pris comme une chova, comme une obligation. Maintenant, une nouvelle marloquette, Veshel Moussafin, Kolayom Rabbi Yehuda Omer Ad Sheva Shaot. Quand on doit apporter un korban, quand on doit faire une tfila de Moussaf, en l'occurrence si c'était Rosh Chodesh, t'as pas eu le temps de le faire. T'as été occupé, sinon ça m'était déjà arrivé de me retrouver avec ma femme à l'hôpital pour accoucher à mon enfant, j'ai eu le temps de faire Shachrit, tant bien que mal, mais à Halel et Moussaf, j'ai pas eu le temps de faire. Bon, Hachem, que vers le milieu d'après-midi, je me suis souvenu que j'avais toujours pas fini ma tfila du matin. Et donc, du coup, voilà, comme Chachamim me le disent, Shel Moussafin, tu peux le faire kol ayom. Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheva Shaot, Rabbi Yehuda dit non, mais tu le fais, tu dois finir jusqu'à la 7e heure. A priori, c'est comme Sheva Shaot, même d'après Rabbi Yehuda, a posteriori, tu peux dépasser le temps. Mais il s'appelle un rachat, s'il le fait consciemment, bien sûr. Et donc, a priori, il faut finir avant la 7e heure, et a posteriori, ça marche que l'après-midi. C'est fréquent, ces situations-là, vous savez quand? À Simchat Torah. Simchat Torah, c'est le grand quiproquo dans les synagogues. Comment organiser cette longue journée de Simchat Torah? On va faire monter tout le monde à la Torah, après on va faire le Moussaf, on doit aussi chanter et danser avec les Sifre Torah. Et du coup, le plus logique aurait été que tu sors le Sefer Torah, quand on va sortir le Sefer Torah, tu danses un petit peu, tu finis les lectures de la Torah, tu fais le Sioum, tu commences à danser, maintenant tu fais toutes tes danses, quand tu finis tout ça, tu fais le Korban Moussaf. Seulement, si tu procèdes de la sorte, tu vas te retrouver avec un Korban Moussaf. Parfois que tu vas dépasser la 7e heure, tu vas te retrouver que tu n'auras même pas fait de Kiddush, ou bien tu n'auras pas fait de Kiddush avant Moussaf, ça c'est compliqué. Le problème, un des problèmes à considérer quand on fait pour Simchat Torah, en l'occurrence, c'est le fait de ne pas dépasser la 7e heure pour faire le Korban Moussaf. Parce qu'a priori, il faut faire le Moussaf avant la 7e heure. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, kol tov u'sera.